Classe suivante. Bonjour, je m'appelle Padmé Amidala, j'ai 28 ans et j'habite dans une galaxie très très lointaine. Bah, c'est très bien tout ça. Et qu'est-ce qui vous amène? Bah, je suis en club party. Ah oui, en effet, oui, chaque fois, oui, oui. Et avec le popo, c'est pas toujours facile. Ah, comment ça? Oh là, vous savez, il est très occupé avec son travail de Jedi. Il est pas souvent à la maison. Oh, ça non. Puis je vois bien la force. Ça les suffit plus. À la maison, j'entends parler tout le temps du Dark Side. Ils m'en ont fait une belle tantôt. Me raconte que Palpatine veut lui faire découvrir de nouvelles pratiques. J'avoue, je commence à avoir des doutes. Est-ce que vous auriez pas trouvé par hasard sur sa table de chevet un livre qui s'appellerait 50 nuances de Sith? Oh bah ça, il est même au tome 3, mon Dieu. Je vous dis, il a changé, Annie. Trop occupé à faire mumuse avec Palpa. Parce que oui, maintenant je dois l'appeler Dark Vador. Genre, je suis trop obscur. Non mais attendez, vous parlez de celui qui a tué tous les jeunes padawans du temple, là? Il faut pas rester avec quelqu'un comme ça, Madame Amidala. C'est un criminel. Oh, mais ça c'est rien, car je vous ai pas dit. Mais il me saoule. Avec son rêve prémonitoire, il me rabâche sans cesse que je vais mourir en accouchant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Donc vous avez compris, je cherche quelqu'un pour adopter mon gosse. Parce que bon, on va pas compter sur son père. Puis moi, avec toutes ces âneries, je me dis, on sait jamais. Ah oui, je vois. Écoutez, j'ai bien tout noté dans votre dossier. On va s'occuper de ça, Madame Amidala. Merci, madame. Je savais que je pouvais compter sur vous. Puis, comme dirait mon pote Obi, que la force soit avec vous. C'était Ali, avec un bébé donc de Padmé Amidala, de Star Wars. Ensuite, sur cette scène, nous